pour parler des auteurs qui seront là pendant le festival. Vous êtes avec Maria Ernestam, avec auteur suédoise. Elle est née en 1959, donc elle a été chanteuse, danseuse, mannequin, comédienne. Elle vit à Stockholm avec son mari et ses enfants. Et ça fait partie des auteurs qui se sont beaucoup inspirés de ses vacances sur la côte pour écrire ses romans. C'est quelque chose qui revient vraiment dans la littérature. Elle a puisé dedans. Elle a écrit six romans qui ont été traduits chez Gaïa et après chez Babel. Et Le pianiste blessé était un très très beau texte, accessible à tous les lecteurs. On est avec Marie Eke qui est depuis l'enfance amie avec une femme qui s'appelle Véronica, elle est brillante, elle a toujours été belle depuis qu'elle est petite. Véronica, elle a toujours attiré tous les regards. Puis c'est bien d'être amie avec quelqu'un qui est connu. Et Véronica, elle va être élevée par sa tante Clara, parce que sa maman n'a pas le temps, il y a une forme d'absence en tout cas. Clara sera la grande figure pour elle. Et quand Clara va mourir, ça sera un choc pour Véronica, qui est une femme elle-même adulte à ce moment-là, qui est mère d'un ado, mais qui va s'apercevoir qu'à l'enterrement de sa tante, elle connaît pas tout le monde. Et elle va se demander qui était vraiment sa tante. Elle s'aperçoit qu'elle partait pendant un mois environ en vacances tous les ans. Et elle va retrouver des lettres, et à partir de là, elle va partir pour retrouver la trace de sa tante et de ce qu'elle a vécu. On est en Malaisie. Et elle est avec des photos, elle va montrer même la photo au chauffeur de taxi. Et pour ça, elle va demander à Marie Eke l'accompagner. Parce que elle ne peut pas faire ça toute seule. Elle lui dit bon, nos vies se sont un peu éloignées, ton roman, ça, t'as pas trop le temps d'écrire, viens avec moi. Et elles sont toutes les deux pour imaginer, poser les questions à tout le monde pour savoir si ces personnes ont croisé la tante, ce qu'elle a pu vivre, avec qui elle a vécu des choses. Et dans ce petit hôtel, il y a un pianiste, elles vont entendre un pianiste qui joue. Et pour Marie Eke, c'est une sorte de révélation, ce que joue l'homme, il y a quelque chose de très beau, très apaisant. Et alors qu'elle se retrouvera toute seule à table un soir, il viendra lui parler, et là il y a une espèce de décharge électrique. Son couple à elle, c'est pas qu'il bat de l'aile, mais c'est un peu plat-plat. Donc quand cet homme lui parlera, la musique l'a déjà émue, et cet homme dégage quelque chose. Il y aura même un bras caressé, peut-être plus sur la plage, je vous laisserai découvrir. Elle sera heureuse, elle a envie d'interdit, elle a envie, alors qu'elle doit avoir une quarantaine d'années, de peut-être goûter autre chose. Mais il y a toujours l'ombre de Véronica, qui est tellement belle, tellement rayonnante, notamment Véronica quand elle reviendra un soir à l'hôtel. Véronica, c'est une pianiste brillante, donc elle ira jouer avec le pianiste à quatre mains. Et là, c'est Marie Eke qui se retrouve dans cette position d'être la seconde, d'être celle de l'ombre. Alors qu'elles sont censées enquêter quelque part ensemble, elle se retrouvera aussi à devoir attendre, et elle aura l'impression de les voir ensemble, qu'ils se connaissent. Elles partiront même aux États-Unis, mais quand elles partiront aux États-Unis, la confiance est rompue un peu entre les deux femmes. Et on est quand les histoires d'amitié sont aussi fortes que des histoires de couple. Quand vous connaissez, vous avez une amie proche depuis longtemps, qui est une sœur de cœur, parce qu'on a le droit dans la vie de recréer sa propre tribu, celle auquel on tient vraiment parce qu'on l'a créée. Mais le fait de perdre la confiance de l'autre, parce que la vie change, on prend peut-être plus les mêmes chemins, ou on n'accepte plus les mêmes choses quand on a 40 ans. Et elle est comme ça, à se poser des questions. Donc c'est un vrai roman, c'est sur plusieurs choses, c'est à la fois une histoire d'amour, mais l'amour avec aussi bien l'amour qu'on peut éprouver pour des gens qui sont des amis. On peut dire que c'est presque une enquête policière, parce que qu'est-ce qu'a vécu Clara, qui elle était, qu'est-ce qu'elle vivait. On est quand il y a le deuil de quelqu'un, perdre quelqu'un qui vous est proche. On a tous nos vies aujourd'hui, et puis on n'a pas toujours le temps de passer le coup de fil, on ne pose pas toujours les questions. Et c'est quand la personne part et qu'on se dit et si j'avais demandé, et qu'est-ce qui s'est passé. Donc vraiment une auteure très accessible au niveau littéraire. C'est Maria Ernestam avec Le pianiste blessé, c'est publié chez Gaïa. Il y a même la playlist qui accompagne le roman. Il faut aller sur mariaernestam.com. Le site, il est à la fois en suédois et en anglais, et vous avez des chansons à la fois de musique classique mais également de Jacques Brel, parce que le nom Marie Eke vient d'une chanson de Jacques Brel. Donc on est sur cet hommage aussi à la langue, à la musique qui traverse les frontières. En parlant de frontières, on est avec une auteure, Katrina Kalda. C'est une jeune auteure très brillante qui a fait. Donc, elle est née à Tallinn en 1980, mais à l'âge de 10 ans, elle va arriver en France avec sa mère. Et quand elle va être en France, elle va faire des études littéraires très pointues.
Elle a même décroché depuis des prix pour la qualité de ses romans. Elle a eu le prix de la littéraire de la francophonie, prix littéraire Richelieu de la francophonie et le prix littéraire de l'Académie française. Et ses romans, ce qui est surprenant, sont traduits du français vers l'estonien, mais par un autre auteur. Ce n'est pas elle qui traduit ses romans, ce n'est pas la seule. Il y a également Gilda Piersanti, par exemple, qui est une des plus grandes voix de la littérature française contemporaine, qui est originaire de Rome, qui vit en France et qui, comme elle, est amoureuse de la langue française et est traduite maintenant en italien. Donc c'est toujours intéressant de se dire que les auteurs peuvent être traduits dans leur langue d'origine. Katrina Calda, donc cette jeune femme, a écrit des romans qui sont à la fois liés à l'histoire de son pays, notamment avec un roman estonien où on était sur une dimension politique, où on est avec un personnage fictif dans le roman avec Théodore, et c'est l'occasion de redécouvrir toute l'histoire de l'Estonie. Elle a écrit aussi Arithmétique des dieux, où là on est plus sur la vie quotidienne avec la dimension de l'exil, mais ce n'est pas l'histoire de Katrina Calda, ne pas confondre ce qu'elle écrit et ce qu'elle a vraiment vécu. Donc je préfère vous le dire, si vous la rencontrez, si vous animez des rencontres avec elle, ce n'est pas sa vie qui est dedans. Donc savoir distinguer entre la vie d'un auteur et puis sa capacité à créer et inventer, c'est quelque chose qui est important pour elle. Et ce qui est génial avec Katrina Calda, c'est sa capacité à changer de roman à chaque fois. 3 romans différents, et dans Le pays où les arbres n'ont pas d'ombre, ce roman qui est publié aussi chez Gallimard, on est en littérature blanche toujours, mais aux portes de la science-fiction et même du texte d'anticipation. Quand vous commencez le roman, vous vous demandez où vous êtes. Est-ce que vous êtes dans un pays réel ou pas? À quelle époque vous êtes exactement? On est dans la plaine. Où est-ce que c'est la plaine? On a l'impression que tout est gris, tout est brut. On est avec 3 femmes. 3 femmes qui ont des âges différents. Je dirais qu'on découvre vraiment l'histoire avec Marie. On va découvrir sa mère Astrid et sa grand-mère Sabine. Ces 3 femmes habitent dans le même appartement, dans la plaine. Petit appartement, et elles vivent mais pas vraiment au même rythme. Il n'y a presque pas de contact. Elles se parlent mais c'est comme si l'une ne pouvait pas écouter l'autre. Il y a vraiment le choc et la différence des générations. Et Katrina Calda a une très belle image au début du livre où elle parle de la photographie. Pour la photographie réussie, c'est d'utiliser 3 filtres de couleurs différentes, et c'est comme si pour mieux comprendre le roman, chaque personnage vous proposait un filtre. Et dans le roman, vous aurez le regard des 3 femmes. On passera de l'une à l'autre. Et elles vivent dans la plaine. Donc, est-ce qu'on est après une catastrophe nucléaire? Est-ce qu'on est après un pays qui a justement vécu quelque chose qui serait encore plus lourd que le communisme? Où on est sur... chacun doit vivre dans des appartements qui sont dédiés, petits. Vous n'avez pas le choix. Vous devez obéir à l'État. Il y a plein d'usines. Chacun a son métier. La nourriture, on a l'impression que tout est pré-mâché, qu'ils ont les restes. Peut-être les restes d'une société idéale. Ça m'a fait penser au manga Gun. Pour ceux qui l'ont vu, ça existe en manga ou en film d'animation où on a une société idéale et en dessous vous avez une ville poubelle pratiquement. Et ceux qui vivent dans la ville poubelle regardent souvent en l'air et veulent atteindre la société idéale. On retrouve cette même image, notamment de la ville. La grand-mère et la mère ont vécu dans la ville. Cette ville, par contre, pour accéder à certains niveaux, il faut avoir un pass. Et la mère, Astrid, elle a été amoureuse là-bas. D'ailleurs, son grand amour est toujours là-bas. Et elle va tout faire pendant des années pour essayer de le rejoindre. C'est le père de sa fille, mais lui ne voudra jamais reconnaître la petite. Je ne vais pas tout vous raconter parce que j'ai vraiment envie que vous puissiez découvrir ce qui peut se passer. Mais elle est sur l'envie de retourner là-bas. Pour partir, pour retourner dans la ville, il faut prendre un espèce de train. Mais quand on commence le roman, on se demande, quelqu'un ce midi a envoyé cette belle image, est-ce qu'on n'a pas un train de retard? On se demande ce qu'on fait là. C'est comme si on se réveille. Quand on commence le roman, c'est comme se réveiller ou être en plein cauchemar. Qu'est-ce qu'on fait là? On a perdu tous les repères. Mais la force de Katrina Calda, ça sera de vous embarquer, de vous faire une proposition. C'est, vous ne savez pas où vous êtes, vous allez découvrir au fur et à mesure. Voilà, il y a un côté un petit peu effrayant, en même temps c'est très féminin, c'est très beau. Et avec la grand-mère également, qui elle ne veut pas retourner à la ville, elle est dans la plaine, il faut vivre avec. Pas loin, il y a notamment une espèce de vieil entrepôt et elle va décider de récupérer des graines quand elle peut dans les restes de nourriture. Elle va prendre les restes de graines et elle ira les planter dans cet entrepôt qu'elle transforme en serre. Et c'est un peu, j'ai vu les images de Tchernobyl où, malgré tout, vous savez, il y a les pousses qui sont revenues. Et il y a plein de métaphores, c'est très beau ce qui se passe dans la serre avec la grand-mère qui est là-bas, qui ne veut plus entendre parler de la ville, la mère qui est obsédée et cette petite fille.
Parce qu'au début, on rencontre une petite fille et il y a un décalage temporel qui est très bien décrit par l'auteur. Mais vous verrez cette petite fille grandir, qui va ni comprendre ni la mère ni la grand-mère, et qui va essayer de... Est-ce qu'elle va vouloir, elle, rester là où elle est, essayer de se construire malgré tout, ou est-ce qu'elle va vouloir rejoindre sa mère dans cette ville, essayer de la rejoindre un jour. Et en même temps, dans le quotidien de Marie, quand on avance dans le roman, il y a le fait que Marie travaille dans une espèce d'usine, et dans l'usine, ce sont des hommes qui sont une espèce de gardiens, des matons, je ne sais pas comment les appeler, mais ces hommes-là, ben, ils se servent de vous en tant que femme. Je ne suis pas là pour non plus vous imposer un regard de lecture, chacun l'interprète comme il veut, mais la position, le rapport homme-femme dans le roman Le pays où les arbres n'ont pas d'ombre, il est très fort, il amène vraiment une réflexion sur le corps de la femme, sur la façon de lui appartient ou pas, et la façon dont certains hommes, j'ai bien certains, peuvent utiliser le corps ou le mental de la femme. Donc un roman qui a plusieurs grilles de lecture, certains y verront juste une histoire d'amour, d'autres des métaphores, chacun le... peut le sentir comme il veut, et c'est un vrai texte de découverte avec une vraie beauté littéraire et en même temps qui est accessible. Ça que j'aime bien, c'est quand la qualité littéraire est en même temps sur le fait d'être accessible à tous. On est sur un côté découverte avec l'auteur Iben Mundrup, qui est publié chez De Noël, traduit du danois. Il faut savoir que l'auteur est né en 69 au Groenland, elle a publié 5 romans là-bas. Son premier roman notamment avait été publié dans une toute petite maison d'édition groenlandaise qui publie aussi des livres pour enfants, des romans, des livres d'art et sur la culture groenlandaise qu'on ne connaît pas du tout nous, hein. C'est Milik Publishing. Et pour son second roman, elle a été signée chez Gyldendal, qui est la plus grande maison d'édition au Danemark et la deuxième plus ancienne. On est vraiment sur une des grandes maisons d'édition danoises, donc ça fait partie des révélations, cet auteur. Et elle fait également des performances. Je préfère vous le dire parce que dans le texte, ça va être surprenant. Elle fait des performances, vous allez pouvoir le voir sur son site internet, c'est ibenmundrup.dk. Elle va aussi bien présenter des corps nus, des corps attachés avec des cordes, ça rappelle un peu le bandage japonais. Je préfère vous porter le décor, comme ça vous saurez que Iben Mundrup, elle fait des sortes de mises en scène, des performances artistiques, mais qui se retrouvent aussi dans son travail. C'est-à-dire que vous vous retrouvez un peu là, comme dans certaines scènes, c'est penser à certaines expos ou certaines pièces de théâtre, où vous dites, vous vous retrouvez un peu dans, comme si c'était un petit garçon ou une petite fille, en disant, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai vu un truc que j'aurais pas dû voir. Et il y a une sorte de provocation, mais intelligente, que j'aime beaucoup chez elle. Mais c'est pour un lectorat averti aussi. Vous ne pouvez pas forcément le donner à tout le monde. Vous savez que vous avez des lecteurs des fois qui ont plus de pudeur. Ça peut les heurter. Hein. Je préfère vous prévenir. Mais en même temps, c'est magnifique. Et c'est son quatrième roman qui a donc été publié en France. C'est le seul pour l'instant qui est disponible. Et dans celui-ci, on va découvrir 3 enfants qui viennent du Danemark, qui vivent maintenant au Groenland. Vous avez Björk, Knut et Hilde. C'est surtout à travers les yeux de Björk qu'on verra l'histoire, et c'est à travers ses yeux qu'on va commencer à voir ça. C'est une petite chipie, est-ce qu'on peut dire une peste? Peut-être. Elle a du caractère en tout cas, elle mène un peu son petit monde à la baguette, et à travers ses yeux d'enfant, donc comme un enfant qui vous parle en toute franchise, il n'y a pas de filtre. Elle vous dit ce qu'elle voit. Elle vous parle de son quotidien, de sa petite maison, de son frère qu'elle aime beaucoup, sa sœur qui est grande, donc c'est un peu une ado, elle est un peu bête sa sœur parce que un peu incompréhensible. Le rapport avec ses parents, sa meilleure copine qu'elle va se faire en classe et puis elles se fâcheront à un moment donné. Les classes, des fois c'est 3 en classe, hein, parce qu'il y a à la fois les classes danoises, on parle la langue danoise, et puis il y a les groenlandais. Et quand je vous dis cette image des fois du plouc, c'est ça, on peut se poser la question, c'est que le côté danois, à un côté on a l'impression... élitiste, et tandis que ceux qui pratiquent les origines inuites, que ce soit physiquement ou autre, on sent quand même que ça peut être considéré pas comme des sous-personnes, mais presque. Et Björk, elle est dans son quotidien, elle aime s'amuser, faire plein de jeux. Et puis elle parle de l'extérieur. À l'extérieur de la maison, il y a les chiens. Les chiens, ils sont importants dans le récit. C'est, imaginez, vous avez ces grandes étendues glacées par moment. Il peut y avoir un trou d'eau, puis un enfant peut tomber dedans et puis se noyer. Hein. C'est comme ça, c'est le quotidien. Il y a les chiens aussi. Les chiens, vous n'allez pas les caresser surtout, parce que les chiens, quand des fois, il y a les petits chiots qui sont là, puis les chiots, s'ils sont bêtes, ils se mettent entre les pattes des chiens, ils se font dévorer. Hein. Et les enfants aussi. Un enfant, il ne faut pas aller toucher un chien.
ils sont sauvages, ils sont là pour être dressés, pour traîner, pour les traîneaux, les choses comme ça, ou pour la chasse. Ils ne sont pas là, c'est pas un animal de compagnie tel que nous on peut l'entendre. En tout cas, vu les conditions, ils sont là pour être efficaces, ils ont un rôle à jouer. Et il y a notamment une enfant qui se fera dévorer dans le récit, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pour le texte est à la fois sublime, c'est un très très beau texte, mais qui peut des fois surprendre, parce qu'on est sur le deuil de l'enfant et sur la brutalité, quand on sent que la nature par moment peut être plus forte que l'humain. L'humain essaie de vivre, l'humain essaie de s'adapter, mais le chien incarne aussi cette force quelque part du Groenland en tant qu'entité, en tant que nature, et en tant qu'on ne fait pas n'importe quoi, on fait attention, et que si on ne fait pas attention, ben on meurt, tout simplement. Et ça, l'auteur vous le dit comme ça, quoi, c'est cash, et Björk a ce regard d'enfant en lui disant, bah, elle n'ira pas forcément à l'enterrement, elle a ce côté un peu dur, et elle joue à des jeux, le titre il s'appelle Jeu de vilain, le titre du livre. On peut se poser des questions et certains seront peut-être mal à l'aise, je préfère le dire à la lecture, parce que cette petite fille, un de ses jeux, notamment, il fait très froid dehors. C'est normal, on est au Groenland. Mais quand ils arrivent à la maison, ben, on retire les vêtements, on retire le manteau, et puis quand on est dans la chambre, on retire tout. Notamment avec ses petits camarades de classe, par moments, le jeu, ça va être de s'amuser à se faire des guilis sous les couvertures. Chose qu'elle peut faire aussi des fois avec son frère. Pour avoir chaud, elle dormira sous la couette avec son frère toute nue. Donc, c'est pour ça que je dis, ça peut heurter les lecteurs, parce que quelle est la frontière de l'auteur dans son texte ? On n'est pas sur un roman sur la pédophilie, pas du tout, je préfère le dire. Mais ça peut être sur les rapports que les enfants ont entre eux, sur la sexualité même de l'enfant. On se pose des questions, et la scène d'ouverture, de toute façon, l'auteur annonce la couleur dès la première scène d'ouverture. Si vous voulez vous rendre compte, vous lisez le début. On est sur un jeu entre deux personnes, vous ne savez pas l'âge des deux personnes. Donc c'est à la fois sur l'éveil des sens, et comme on est dans la performance artistique, elle le fait aussi dans son écriture, on accepte ou on n'accepte pas. Donc c'est une très belle proposition, un très beau travail d'écriture, à la fois très accessible, mais je vous dis, c'est pas la forme qui va être difficile, c'est le fond qui peut faire que certains seront choqués. Il faut savoir se respecter, c'est-à-dire ne pas se heurter soi-même en tant que lecteur, et ne pas heurter les lecteurs qui ne sont pas prêts à aller sur ce genre de texte. Et en même temps, ça fait partie des très très belles découvertes à faire. On est maintenant avec Kej Vesto, donc je le prononce à la française, hein, j'ai pas fait d'études de langue nordique, donc je m'amuse pas à essayer de vous le prononcer de manière suédoise. Cet auteur-là, c'est un auteur qui a également qui est à la fois journaliste, qui est écrivain, qui est très reconnu, il a également été poète, il a des recueils de prose qui sont sortis. Il aime bien dépeindre à la fois la fragilité des individus et puis l'histoire. Comment l'histoire de chacun d'entre nous peut s'imbriquer dans la grande histoire. L'histoire notamment de son pays, de la Finlande, il a été traduit quand même dans plus d'une vingtaine de langues, donc c'est vraiment un des grands auteurs de littérature contemporaine à accueillir. Pour vous dire, celui qui vient de sortir donc chez Autrement, Nos souvenirs sont des fragments de rêves. Il est tout récent parce qu'il a été publié en suédois, finlandais, norvégien et en danois à l'automne 2017, et il est arrivé aux éditions Autrement en janvier 2018. Donc c'est vraiment, on est très proche de la sortie, il n'y a pas ce décalage des fois. On lit des fois en France des romans qui sont sortis il y a 10 ou 12 ans, donc le décalage culturel, il peut être important. Là, et je vous en parlerai à la fin du pitch, il y a des choses qui parlent de l'actualité, c'était hier et c'est presque ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est un auteur qui adore la nature, qui adore la pêche, comme son acteur favori Paul Newman, lui dit qu'ils ont le même syndrome, c'est vous le mettez sur un bateau, vous êtes sûr de rien pêcher. Mais il s'en moque, c'est l'idée de profiter du grand air. Et on retrouve cet humour, je trouve dans sa biographie, c'est ce qu'il met sur son site. Et dans son écriture, on est à la fois sur des romans très sérieux, et en même temps, il passe de quelque chose de très sérieux à plein de douceur, plein d'humour et plein d'amour, et également de l'introspection. Ses précédents romans ont été toujours très ancrés sur l'histoire de la Finlande. Il y avait les 7 livres d'Helsingor. On est justement sur la Finlande avec la domination suédoise et le malheur d'un Strack, qui était une saga familiale où il revisitait un peu l'histoire du XXe siècle. Et il y a un mirage finlandais donc, qui est sorti également aux éditions Autrement, et qui vient de sortir, si vous voulez le glisser dans votre sac à main ou dans votre sac à dos, aux éditions J'ai lu. Et là, on est aussi sur l'histoire de la Finlande avec l'Union soviétique.
et avec l'Allemagne. Donc toujours, je dis dans ses écrits, le rapport avec la grande histoire. Dans celui-ci, on commence dans les années 70 et puis le narrateur va nous parler de son... On commence vraiment par l'enfance, la compassion. Vous avez vraiment l'impression d'avoir fait une rencontre. Et comme si quelqu'un allait vous raconter toute sa vie jusqu'à... Voilà, vous êtes à l'impression d'être assis au pied d'une cheminée et que cette personne vous raconte toute son histoire et tout ce qu'il a pu vivre. On commence à la petite enfance où il est... Son papa travaille dans un petit commerce où il était chef quand même. Et du jour au lendemain, on va le rétrograder parce que il y a le fils d'un des propriétaires qui a besoin d'un poste. Donc, il se retrouve dans une condition tout d'un coup moindre. Ça va marquer son adolescence à lui. Ça va le construire parce que il est sur les inégalités sociales et ce sentiment que son père a toujours été quelqu'un de moins que rien, donc, et sa mère est juste une femme qui travaille comme un peu, qui fait son petit boulot. Par contre, quand il est à l'école, il va rencontrer Alex. Alex, lui, appartient à une grande maison, une famille qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, un papa qui est invisible parce qu'il est toujours parti à travers le monde pour développer les entreprises. Alex, tout gamin, il va parler de développer des entreprises. Quand il est adolescent, ça va continuer l'idée d'avoir des grosses boîtes, donc pour Alex, et puis sur les copains qui vont graviter autour, comme Christer, qui deviendra plus tard, qui va devenir protestant dans le sens où il va être religieux, pasteur, voilà, merci. On est sur tout se cristallise autour d'Alex, qui est ce personnage central un petit peu et que tout le monde envie. Il le sait, il aime séduire et posséder les gens pratiquement. Et puis il y a Clara, la mère de famille qui est là, qui est vraiment une femme imposante, et Poa qui est le grand-père, qui est vraiment le patriarche avec tout ce que ça impose. Il impose ses lois, il impose sa règle et on obéit. Et il essaie de transmettre comme ça. Et ce jeune garçon, ce jeune homme va essayer de se construire. Et puis il y a Stella qui au début était une petite gamine qui traînait toujours dans les pattes de son frère. Et puis Stella, de la petite gamine, elle deviendra une jolie adolescente. On est sur les premiers émois amoureux, sur les premiers bras caressés, et ça ira plus loin. On va être sur cette histoire entre Stella et Alex quand dans la vie vous rencontrez des gens qui sont des aimants et ou des amants pour vous, c'est-à-dire des personnes que vous n'arrivez pas à aimer sur la durée, mais que malgré tout, vous avez besoin de retrouver, et toute leur vie. Ils vont comme ça avoir ce regard et l'envie de s'attirer. Je n'ai pas envie de vous dire, pour vous essayer de découvrir, est-ce qu'ils arriveront à vivre quelque chose de stable, tous les deux. Et le regard aussi de la famille, parce que lui, je vous rappelle qu'il est quand même, dans sa vision, issu du peuple, et qu'il n'a pas le droit d'appartenir à la grande famille quand les mariages vont se faire. On a le droit de séduire la plus belle fille du lycée. Mais si la plus belle fille du lycée, c'est une fille d'ouvrier, ben quand il est temps de se marier, ben on choisit celle qui a de l'argent aussi. Donc c'est aussi une dénonciation quelque part d'une bourgeoisie. Et on est avec des Suédois. On est en Finlande, mais l'auteur le dit lui-même. Le narrateur, en tout cas, l'auteur écrit en suédois. Et le narrateur aussi fait partie d'une famille qui parle suédois. Et il parle par moments des Finnois. On sent ce décalage. Il parle de la langue finnoise. Donc vraiment ce décalage culturel. On sent que les établissements scolaires sont des établissements qui sont mieux que les autres. Donc c'est vraiment le rapport de la langue, mais aussi une hiérarchie dans la société. Et c'est là qu'on peut comprendre qu'il y a une tension qui puisse exister selon la langue que vous pratiquez et que malgré tout vous appartenez quelque part à des castes. Est-ce que le personnage arrivera à s'en sortir? On va le voir évoluer dans la vie, le moment où il deviendra écrivain, son rapport aux femmes, à la femme, ou peut-être les femmes. Parce que ce qui est intéressant, à un moment donné, il va critiquer une femme qu'il va croiser, avec qui il aura eu des aventures que de temps en temps. Et à un chapitre, tout d'un coup, on va s'apercevoir que finalement, il s'excuse auprès de vous. Il vous dira qu'il vous a menti, qu'il l'aimait quand même. Et là, tout d'un coup, il va vous montrer son autre visage. Donc, un peu comme... C'est un groupe d'amis, et on va voir comme des effets de caméra. Il va lui-même avoir cette introspection et parler des femmes qu'il a aimées et qu'il a peut-être fait souffrir aussi. Et en même temps, c'est toute l'histoire de son peuple entre les années 70 et puis jusqu'à nos jours. On ira jusqu'aux attentats de Charlie Hebdo. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est très proche. C'est une introspection aussi sur soi, sur le regard de ce qu'on peut porter sur l'autre. Il y a un personnage qui est certainement musulman. Et en tout cas, qui lors de... Il y a plusieurs générations, parce que avec Stella, Alex, avec les amis, on est sur la première génération.
Mais à un moment donné, les personnages auront eux-mêmes des enfants. Les enfants vont devenir eux-mêmes des adolescents et des jeunes gens qui vont aimer. Et donc, il y a des nouveaux personnages qui arrivent. Et dans les nouveaux personnages, il y a l'idée, c'est une vraie réflexion d'actualité sur ce jeune homme qui, lors des repas de famille, va commencer à dire « c'est à cause de vous qu'on est devenu comme ça ». Donc, tout la notion du terrorisme, des choses comme ça qui sont là, et la peur de l'autre, quand on n'a pas la même culture. Et on sent que l'auteur, moi j'avais l'impression qu'il lui-même se posait des questions, c'est comme se mettre à nu devant vous. De toute façon, il le fait déjà avec les femmes, il aime se mettre nu devant elles, mais en même temps se mettre complètement nu par rapport à ses propres pensées, par rapport aux peurs et au fait, est-ce qu'on se ment pas à soi-même par moment. Donc un roman, vous voyez, qui est à la fois super épais, mais en même temps qui se lit super vite. Il y a le côté, par contre, effet secondaire, c'est vous prévoyez la thermos de café, ou vous prévenez les collègues, vous posez une journée de RTT, je ne sais pas comment vous faites ici, mais vous ne pouvez pas le lâcher. Un peu ce côté addictif d'une très bonne série où vous dites bon, je regarde encore un épisode et puis je me couche. Vous refermez ce livre-là, d'ailleurs vous êtes endormi avec, et vous réveillez plus tôt, vous avez perçu que la lumière était restée allumée et que vous avez lu jusqu'à 3h du matin, que vous avez des poches sous les yeux, mais ce n'est pas grave, vous avez l'impression d'avoir rencontré des très belles personnes. Et d'avoir vous-même réfléchi sur la société d'aujourd'hui, donc tout et en même temps en étant à la fois en Finlande et tout ce qui peut nous toucher, parce qu'on est aussi sur une actualité à la fois européenne et une actualité mondiale. Donc plusieurs grilles de lecture, à la fois très faciles et en même temps une véritable claque. Et on va finir notre voyage et la sélection du prix des lecteurs par Lina Wolf. Lina Wolf, elle est née en 73 en Suède. C'est à la fois une auteure et une traductrice. J'appuie sur le mot traductrice parce que les langues sont très importantes pour cette auteure. Elle a eu des prix prestigieux en Suède. Ça, c'est son deuxième roman. Elle a, qui a notamment remporté le prix Auguste Strindberg. Prix important. Les Amants polyglottes, qui est publié chez Gallimard. Quand on commence, on est avec Elinor. Elinor, elle n'est pas forcément bien dans sa peau, pas forcément belle, pas forcément intelligente. On peut peut-être même dire qu'elle est bête. Elle a du mal dans la vie à trouver quelqu'un. Tellement du mal, ben, elle fait un peu comme beaucoup de gens, elle va s'inscrire sur Internet. Elle rencontrera des gens et parmi ces personnes, elle va tout d'un coup rencontrer Callisto. Callisto, lui, il est critique. Et quand elle le verra, elle sera surpris parce qu'il est obèse. C'est pas du tout ce qu'elle imaginait, mais bon, elle va pas faire la difficile, hein, vu son état à elle. Elle y va. Et ils vont commencer une espèce d'histoire quand même, tous les deux. Et elle sera chez lui. Et lui, il lui parlera, même si elle est bête. Il va lui parler des livres qu'il aime lire, les critiques littéraires. Et il y a notamment un manuscrit qui est sur la table du salon, qui est important et qui est une sorte de texte qui le maintient en vie. Il a un rapport très étrange avec ce manuscrit. Qui a pu l'écrire? Qu'est-ce que c'est? Et Elinor, elle ne comprend pas trop. Quoi. Pourquoi est-ce qu'on aime? Il y a des gens qui lisent, c'est un truc bizarre. Et par contre, quand Callisto n'est pas là, par moments, elle fouillera, elle verra dans la maison. Il y a des livres, dans la chambre, il y a une étagère. Mais derrière les livres qu'on voit, il y a d'autres livres qui sont cachés, qui sont les livres de Michel Houellebecq. Donc, il y a vraiment ce rapport avec Houellebecq qui est très important dans le texte. Et on est avec ce Callisto, et Callisto va tellement être désagréable avec elle qu'à un moment donné, elle jettera le manuscrit au feu. Et là, on bascule, on va être avec l'auteur du manuscrit, qui explique pourquoi il a construit le texte. Et tout d'un coup, c'est ce rapport à la construction du texte, c'est un rapport très lié à l'œuvre de Houellebecq. Les deux sont de plus en plus liés sur pourquoi est-ce que l'auteur écrit, et le rapport à la femme aussi. La femme intelligente, la femme qu'on désire, est forcément une femme polyglotte. La femme doit maîtriser plusieurs langues, c'est important, c'est un signe d'intelligence, et elle doit avoir une poitrine quand même opuleuse, c'est quand même bien, ça doit aller avec. Et cet auteur qui va avoir par moments des pannes d'inspiration ira jusque s'introduire dans, il verra un magazine People, une génération de trois femmes qui vivent ensemble, et il ira s'incruster dans cette famille jusqu'à séduire une des femmes de la famille, la plus âgée, pour pouvoir noter leur vie, prendre, c'est même pas du journalisme d'investigation, c'est plus un côté paparazzi, et pomper ce qu'elles ont pu vivre, mais de l'intérieur, et en parler aux autres. Et on est sur une sorte de destruction comme ça, qui plus vous avancez dans le roman,
plus vous êtes dans une sorte de spirale. Ça sera un des textes qui sera certainement le plus... Je sais pas, le mot polémique est peut-être fort, mais vous ne serez pas d'accord. Soit c'est un texte que vous allez adorer, soit c'est un texte que vous allez détester. Parce qu'il y a un parti pris très fort de l'auteur. Ce n'est pas un texte accessible à tout le monde. Des personnes qui n'ont pas l'habitude de lire, vous ne leur mettez pas ce livre-là entre les mains. Parce qu'il y a le côté très très littéraire. L'auteur emploie beaucoup de références littéraires de manière très affirmée. Quand on aime les livres, on peut à la fois se sentir flatté et se dire « Tiens, elle parle d'auteur que je connais ». Donc je me sens bien avec elle et je vis une superbe aventure littéraire, une structure. On est sur un rapport très intellectuel au livre et très intellectuel à l'autre. Par contre, vous pouvez avoir ce sentiment inverse. Vous dire « Mais pour qui elle me prend ? Je ne connais pas cet auteur-là, mais moi j'en ai lu d'autres ». Donc il y a vraiment ces deux sentiments et il y a des lecteurs qui pourraient aussi, je préfère le dire, se sentir bêtes à la lecture. Se dire « Mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Je ne sais pas qui c'est ces gens-là. Est-ce que j'ai ma place ? Est-ce que je suis légitime ?» Je me suis moi-même posé la question à un moment donné dans le texte, donc je préfère le dire, être honnête. Il y a d'autres personnes qui ont adoré ce texte. J'adore la première partie, c'est dans la deuxième partie où à un moment donné, j'ai été surprise parce que je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que je gêne ? Je ne suis pas forcément d'accord » et presque envie de prendre le téléphone et d'appeler l'auteur et dire « On en discute, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et il y a peut-être une volonté aussi de provocation, de faire réagir. Donc c'est aussi un point de vue, c'est une forme d'écriture. Il y a des gens, qui aiment piquer dans la vie, qui aiment vous faire réagir, et je pense qu'elle va vous faire réagir. Vous allez pouvoir pas soit partir et être enflammé et vivre quelque chose de très fort, ou vous sentir un peu comme Elinor et vous sentir sur la touche. Il y a les deux sentiments, et c'est ça aussi qui est intéressant. On n'est pas obligé de tout aimer, on n'est pas obligé d'aimer tous les passages dans un livre, on n'est pas obligé d'être d'accord. C'est ça aussi l'intérêt d'un prix, c'est d'en discuter. Par contre, vu qu'on est là pour parler et que je suis là aussi pour vous transmettre par rapport à vos lecteurs, des lecteurs qui n'ont pas l'habitude de la lecture se sentiront mal à l'aise, autant se dire les choses. Parce que on est dans une structure, même narrative, c'est le roman dans le roman dans le roman finalement. C'est à la fois un exercice de style, soit on adhère, soit on a l'impression d'être à côté, à courir après le texte, à dire « mais je suis où ? Qui c'est ?» Il n'y a pas beaucoup de personnages, hein. C'est pas le nombre de personnages, c'est pas les consonances comme des fois en littérature nordique où on se dit « c'est qui ? J'ai pas compris ». Non, c'est vraiment un parti pris. C'est bien aussi d'avoir des textes où on n'est pas d'accord. C'est bien de se chamailler, vous avez je crois des petits comités de lecture, donc vous allez pouvoir vous dire « moi j'ai aimé, c'est génial, certains le disent, c'est le plus beau livre que j'ai lu ». D'autres vont dire, j'ai même pas réussi à le finir. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est le fait de se dire, c'est un chef-d'œuvre ou je n'aime pas. C'est important qu'il y ait aussi des textes comme ça qui créent aussi un petit peu la polémique, mais c'est chouette.